Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Origin pour tester un petit peu qu'est-ce qui donne ce petit jeu sympa. On va voir un petit peu à quoi on a affaire pour ce petit jeu. Tranquillou, tranquillou. Ubisoft present. Oh, un éléphant. Je veux un éléphant. Oh la classe, je me balade à deux d'éléphants. Trop le swag. Le Medjay de Siwa. Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek. On te trouvera. On te trouvera. Dans ton sommeil. Ouh, esquive. Enfin, réflexe. Sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là. Oh, ça pique. Mon Dieu, ça moi. Tu as tué mon maître et tu m'as laissé pour mort. Tu as eu tort. Ton maître était un meurtrier. J'ai juré de le protéger. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. Ta vie m'appartient, Medjay. Tu es rapide, Medjay, mais moi je suis puissant. Wesh, de défense. Je suis fier d'affronter le dernier des Medjay. Aïe. Oh, la violence. C'est pas une arme brisée qui te sauvera. Cet endroit servira de tombe à l'un de deux. Ce sera toi. Faisons une trêve. Ce n'est pas toi que je jurerai de tuer.
Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Ah d'accord, ça c'est... Wouhou! Les grosses attaques avec majuscules. Bon allez, pas le temps d'esquiver. Ouais. Stylé les esquives. Aïe. Adipis t'attend. Bon, j'ai pas eu le temps de me faire le majuscule. Ah ouais. Bonjour. Et ce sera pour faire de l'infiltration. Aucune issue. Pour déposer des cadavres dans des coffres. Je suis le pro de l'infiltration. Aucune prise. Je dois trouver un chemin vers une autre salle. Ce mur. Allez, coup de bouclier dans le mur. Des soldats. Bien entendu. Bonjour, messieurs. Sur lui. À mort. Ebzefa. Attention. Payek. Est-ce que c'est toi? C'est une embuscade. J'avais deviné. Ah le bâtard, il a fait un gros coup. T'en bouge pas hein. Non mais... Mais arrête de bouger. Ouh, la violence. Max, c'est bon. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Aidez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon ça. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Bien. Yeah. Petit tour de chameau. Où est ta monture? Où est votre monture? Tipiti. Ah, te voilà, toi. Allons-y, Zeni. Allez, Swaggy. Comment vont les choses depuis mon départ? Yay! La vie est très difficile, Bayek. En absence, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Une garnison à Siwa? Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurai besoin d'aide. Je ferai mon possible. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Zeni. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Ouais, ils sont pas sympas, effectivement. Wow.
Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Ouais, la place. On arrête de dégainer ton arme, connard. Les villageois ont vécu un martyr. Personne dans la Wahat ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé, taxé ou battu. Nous avons appris à obéir et à baisser la tête. Il a poussé l'autre. Tu vois que je te mens pas, Séni. N'attirons pas l'attention. Tiens, je l'écrase. On va prendre le respect, quoi. Et les villageois se font maltraiter. Pouf, coup de chameau. Après, tu l'écrases. Mais c'est pas moi, hein. Moi, je suis là pour les sauver. Aller dans ta maison. Rien ne m'attend là. Tiens. Parle-moi. Poussez-vous. Mais d'où n'a pas. Mais poussez-vous. Il est ici. Hop, pardon. Excusez-vous. Merde, l'autre il m'a distancé. Mais j'ai quoi en... Comment on accélère avec ce poney là? Allez, ya. Et attends, je sais pas courir avec mon poney. Habitants de Siwa, voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Medunamun. Bayek, sois prudent. Regardez qui est de retour à l'oasis. Siwa est un endroit dangereux. C'est un vrai fléau. Ah, allons-y, voilà. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Oui, c'est un chameau dressé. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Hepzepa, les soldats entrent encore. Bayek. Rabia. Marabia. J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Ah. Regarde-toi. Des bleus, des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez. Allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné ou menti à vos parents? Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Oh bah ouais, carrément. De ouf. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Ah oui, apprends-moi à tirer à l'arc. Au mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. Oh la classe. L'un des mannequins est plus solide que l'autre. Tu peux trouver d'autres flèches là-bas. Oh la classe. Je suis un archer performant. Bien. Hepzepa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Des soldats viennent te chercher ! Allez ! Viens, vite ! Ah bah t'es, on va utiliser mon nouvel arc. Dans leur face de singe. Personne ne doit quitter cette maison vivant. Hepzepa ! Nous venons seulement discuter. Ah, il y a vraiment une tête de con. Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. Tendez une embuscade. Nek ! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Mais non. T'en fais pas.
Je vais m'en occuper. T'inquiète pas, peut-être. Attention! Mais oui, mais j'aimerais bien m'accroupir, hein. Quoi? Qui est là? Baisse-toi. C'est la petite Charlotte. Il s'approche un peu trop. Faut le dézinguer. Quoi? Disposez d'un peu de temps pour éliminer votre ennemi avant qu'il vous attaque. F éliminé. Ok. S'blast. Et c'est maintenant, tout. Autour des autres. Mais il est pas mort. On l'a juste assommé là. Non mais moi je veux de la vraie mort là. Ah, regarde. Laisse pas les corps où on pourrait les voir. J'ai déjà dit frère, l'infiltration c'est pas mon dada. Ils ne le trouveront pas. Enfin, j'espère. Et la cache, c'est où l'autre? Alors, à mon avis, ils vont le trouver là, c'est mort. Dans la botte de foin? Oh yes! Le coup de la botte de foin, ça marche toujours dans le... les insectes. Ils sont où les autres pélos par contre? Ils sont dans la maison ou quoi? Lui, je vais le dézingue, il va rien comprendre. Tu feras la suite un peu plus tard. Allez, à la prochaine. Ciao. Un cassage de crâne. Non mais... Ah! Oula, attends. Je ne suis pas visé. Bim! Coup critique. Allez hop, prends ta tête. Merci Bayek. Cool. Je t'avais dit que ces Neketiadettes se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay à Siwa. Bon, par contre, t'as un cadavre sur ton balcon, hein. Tu m'en veux pas. Hein. Easy. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. C'était un gros bâtard. Je crains pour la sécurité de ta famille. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins une meilleure armure. Il faut du stuff, ça. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et c'est nous pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. C'est nous. C'est nous est en vie. Regarde qui voilà. C'est nous, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Non, je m'en balèque. Oh yeah. Bon, mais c'est cool.
petite présentation comme ça, au calme. Tu feras la suite un peu plus tard. Allez, à la prochaine. Ciao.